11 artistes en face de 11 têtes de chameau à personnaliser. À ton avis, ça donne quoi? Découvre ça tout de suite dans notre Jenny Story de la semaine. Bienvenue à la galerie David Bloch. J'ai ouvert cet endroit il y a 5 mois. Le sens de cet endroit est de faire découvrir des artistes européens et français, particulièrement au Maroc, ici à Marrakech. De jeunes artistes qui ont en moyenne entre 30 et 40 ans, qui sont déjà un petit peu connus ou pas du tout. Donc je me présente comme une galerie de promotion. Et à côté de ça, d'y intégrer évidemment des artistes marocains. Et de ce fait, leur donner un petit peu de delta de communication sur l'Europe à partir du moment où les artistes européens viennent ici, les artistes marocains donc auront un peu de vie en Europe. Début décembre aura lieu donc The Chameau Theory, qui est un superbe clash sur un objet unique auquel les artistes ont répondu présent. Et fin décembre, nous aurons une exposition, donc la première exposition personnelle d'un Marocain, qui est celle de Larbi Cherkaoui. Alors, je m'appelle Mia Duré et je suis manager d'une agence de design, Younes Duré Design, qui est basée à Marrakech. Alors, The Chameau Theory, c'est un événement unique au Maroc et pour la première fois, 10 artistes vont s'associer à un designer industriel où ils auront le champ libre pour réinterpréter à leur guise la tête de chameau. Alors cette idée est venue du fait que Younes Duré avait créé des têtes de chameau pour le restaurant Hazard qui ont ensuite été présentées aux Galeries Lafayette de Paris et puis au Festival du film de Marrakech l'année dernière. Et il a toujours voulu que ces têtes soient réappropriées par d'autres artistes et donc c'est toujours dans cette idée d'échange et de partage, de rencontre qu'il a créé ce support unique où tout le monde peut le réapproprier comme il l'entend. Il y a 10 artistes qui ont accepté de jouer le jeu, 10 artistes français et marocains. Les artistes qui sont présents seront Sébastien Préchou, Tank, Mist, Alex Swan, Mohamed Melehi, Nordine Chatter, Larbi Cherkaoui, Gauthier, Khalil Minka et Mohan Ben Lassen. Chacun s'est amusé à retravailler, à réinterpréter une tête de chameau, une sculpture. C'est un engouement pour tous les artistes et puis un échange entre les artistes et une belle rencontre. Je suis artiste, peintre et compositeur. J'ai toujours peint, dessiné. Après, j'ai fait un peu mes premières armes dans la rue avec le moyen du graffiti. Je suis au Maroc et spécialement à Marrakech, dans la ville, c'est pour moi qui est un peu le Las Vegas marocain, pour customiser une pinte de chameau. À la base, je pensais peindre ma tête de chameau avec mon style classique, enfin quelque chose qui reflèterait ma peinture actuelle. Pour réaliser cette tête de chameau, j'ai compris que j'allais devoir m'inspirer de Marrakech et trouver une sorte de compromis entre mon style et quelque chose qui viendrait d'ici, puisque je le fais ici. Donc le travail in situ, c'est un peu ça aussi, c'est de s'imprégner de l'endroit. Je m'appelle Nordine Chatter. C'est moi qui ai peint cette tête de chameau. Et c'est par une invitation d'un copain artiste qui m'a invité à travailler sur son support. C'est une création de Younes Duré, un designer marocain. Et pour moi, c'était un petit défi artistique. Et ça a donné ce résultat que vous voyez devant vous maintenant. Alors, pourquoi ma tête de chameau était rose et pourquoi elle est comme ça maintenant?
En fait, elle a évolué jour après jour, je l'ai peinte et repeinte. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait quand même un socle, que c'était en fait une sorte de trophée de chasse, que donc il devait y avoir un corps quelque part. Donc j'ai voulu, voilà, matérialiser ce corps par la tombe et rendre un hommage en fait à cette tête de chameau en faisant un buste en bronze. Ce qui est génial, c'est aussi chaque artiste a sa vision sur le chameau. Autant qu'animal, on peut dire que c'est un animal le plus spirituel, c'est l'animal le plus souffrant dans la nature, qui peut prendre toute une marchandise d'un continent à un autre continent. C'est un voyage, c'est la vie des nomades. C'est l'Arbi Sherkaoui. Toutes les autres têtes sont très expriment bien aussi la personnalité des artistes. Mais celle-là, je trouve qu'elle représente bien Marrakech par un peu sa somptuosité. Je pense que c'est pour Marrakech la meilleure représentation. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent commencer une carrière artistique ou de création, c'est qu'il faut travailler, beaucoup, beaucoup travailler. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller, il faut foncer et il faut s'aider entre jeunes parce que c'est très important. Moi, on m'a aidé et moi, je peux aider aussi d'autres jeunes. Donc voilà, il faut aller, il faut avancer, il faut travailler avec grande liberté.